ce que c'est que la morale? Moi, je vais te dire ce que c'est la morale. La morale, c'est fait pour ceux qui la tiennent. Les riches. Et tu sais qui a raison chaque fois? C'est les riches. Et c'est les pauvres qui trinquent. Tu veux la voir, ma morale, à moi? Ouais. Ouais? Tu vas pas regretter après, hein? Je sais pas. Je crois que tu vas avoir un peu peur. Ah, voilà ma morale. La morale, c'est ça. Tu sais pourquoi je me balade avec ça? Hein? Parce que celui qui m'amènera la morale avec son uniforme, ok? Il aura plus de chances, ok? D'avoir sa putain de justice derrière lui. Et moi, la voilà ma justice. Que tu te trompes, ou que t'aies raison, c'est la même chose, mon grand. Chacun sa vie, chacun sa morale. Et si je devais résumer ma vie, elle est très simple, c'est celle d'un pauvre type. Voilà le genre de truc qu'il devrait écrire un jour. C'est l'histoire d'un homme comme tant d'autres. Son histoire est banale. Ça commence enfance, en plein cœur du merdier, au pays du fromage et des collabos. Cet homme naît près de Paris en 1939. En 41, sa mère l'abandonne. Il ne la reverra jamais. À la libération, il apprend enfin l'identité de son père, un résistant communiste mort en Allemagne dans un camp de concentration. Il a 6 ans. Un conflit intérieur commence alors, d'autant plus qu'à la même époque, un éducateur lui vole son innocence au nom de Jésus. À 14 ans, poussé par la nécessité de survivre, il apprend le métier de boucher. Et pendant 10 ans, il travaille comme apprenti chez différents patrons, économisant sou après sou pour payer le bail de sa future boutique. À 30 ans, il y parvient et s'installe à Aubervilliers. Les débuts sont difficiles, mais au bout de 2 ans, son affaire chevaline prend de l'envol. Enfin, il peut vivre. Il rencontre une jeune ouvrière bobineuse et déchire son hymen à l'hôtel de l'Avenir, juste en face de l'usine où elle travaille. Mais les événements se précipitent. 9 mois plus tard, il se retrouve père d'une fillette, Cynthia, dont la mère ne veut rien savoir. Elle les abandonne tous les deux et le père doit élever seul sa fille. Les années passent. La boucherie tourne tant bien que mal. Le boucher achète un petit appartement à crédit où la fille grandit, enfermée dans son mutisme. Sa puberté arrive. Elle prend des formes. Et le père, célibataire malgré lui, doit lutter contre la tentation. Et c'est alors que le drame éclate. La jeune fille a ses premières règles. Prise d'une douleur inconnue, elle part retrouver son père dans sa boucherie. Mais sur le chemin, un ouvrier tente de la séduire. Un voisin les voit et ramène la jeune fille à son père. Celui-ci, découvrant la tache de sang sur la jupe de son enfant, croit au viol. Il saisit un couteau et sort à la recherche du coupable. Sur le chantier voisin se trouve un autre ouvrier. Le boucher se précipite sur lui et le défigure à coups de couteau. L'innocent survit et le boucher se retrouve en prison tandis que sa fille est placée dans une institution. Il lui écrit quelques lettres. Les mois passent. Pour sortir de prison, le boucher doit céder son appartement et sa boutique. Il retrouve enfin la liberté, mais il a tout perdu. Pour survivre, il se fait engager comme serveur dans un café. Il devient l'amant de la patronne. Celle-ci tombe enceinte et lui propose de vendre le café pour repartir à zéro dans une autre ville, tous les deux. Avec l'argent du café, elle pourrait même lui payer le bail d'une boucherie. N'ayant pas le choix, l'homme accepte. Pour la première fois, il se rend à l'institution à garder sa fille et lui fait ses adieux. Celle-ci le regarde partir sans un mot. Le lendemain, à l'aube, il quitte la ville en voiture avec la patronne, espérant échapper au sombre tunnel de son existence. Ils parviennent à Lille et s'installent chez la mère de la femme, en attendant de trouver un appartement et une boutique à eux. Comparée aux rues de Paris où il a toujours vécu, celles du nord de la France lui paraissent tristes et désertes. Pour la première fois de sa vie, il se sent comme un étranger. Les images de son père mort en déportation loin de son pays refont surface. Mais le boucher, comme tout homme, est avant tout un être de pure survie. Il décide de mettre au placard son passé et d'oublier la trahison faite à sa fille, ainsi que son amour pour elle. Enfin, l'amour, c'est un bien grand mot. Peu de gens peuvent se vanter de l'avoir connu.